Ah ok, il veut faire... Ah, c'est une diversion pour faire croire qu'il a... Il a un flingue. Non. Ah non, il veut faire, ouais, faire croire qu'il a un flingue. Doxica. Yo la famille, les rocks. Ça va ou quoi? Les rocks, c'est... ça commence bien, je te jure. Toujours des problèmes, j'ai pas de chance dans la vie. Toujours des problèmes. Toujours. Et yo la famille, j'espère que vous allez bien. Après, je l'ai dit, rocks family. C'est moi qui ai écrit le truc. Hein. C'est bon, on a déjà assumé. Notre communauté. C'est bon. T'as perdu alors? Oh, regarde la beubare, elle est énervée quand même. On va voir. T'es bon, Anthony. On va réclamer. Qu'est-ce que t'as toi? Dis-moi, ouais, c'est bon, frère. Mais je te dis qu'elle était belle, non. Toi, t'es bien taillé. Il est quand même sucé. Ouais, ouais, c'était quoi que la famille? C'est mon avenir. C'est ma carte de banque? C'est, non, sa c'est carte sa de banque. Banque. C'est son disque. Ah, c'est pas ma carte de banque. Je suis mort, il y a un type. Il va voir le ralenti, il prend les données de la carte de banque. Attends, c'est ma carte de banque que t'as jeté? C'est pas cool. Mais t'es sérieux ou quoi? Ça va, frère, c'est pas un pot de fleurs. Okay. Ouais, sérieusement, on recommence. T'es qui toi pour dire on recommence, gros? Il est directeur artistique, j'ai rien de jouer derrière la caméra, je te dis. Il a mis un coup ça là, et il croit que ça y est, c'est bon. Regarde comme c'est beau gosse. Arrête de faire comme ça, sa mère va dire un truc, il va dire ouais, c'est grâce à moi et tout. Ouais, c'est grâce à moi qu'on a percé, quoi. Regarde comment c'est beau gosse. Ok, donc la famille, aujourd'hui c'est parti pour l'épisode 18 de Director Stone. Yes, ça. Stone, yes. Déjà, désolé du retard, on sait qu'on a beaucoup de retard. On a tous eu des hauts et des bas dans la vie, et voilà, cette fois-ci. C'est la photo suffisante. Donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Applaudissez, il y a des cœurs. Ah ouais, faut qu'on fasse un selfie pour que je mette sur Twitter, les frérots. Ouais, je fais une photo après. Non, tous ensemble. Ouais. Genre en plein record, s'il va faire son selfie. Mais attends. Non, mais il a dit après, il a dit non. Non, maintenant, go. Ça dérange. Faut que je le fasse maintenant. Non, c'est pas coupé, on va couper. Quelle était la pute? C'est pas un iPhone X. Donne ton. Mais la dernière fois j'avais fait, c'était moche. Mais tu trouves moche, c'est mon problème, mais. C'était pas censé être moche avec un iPhone. Merci mais gros. C'est le filtre. Crème de Lille. T'es beau en plus. Arrête, machallah. Machallah. T'es un auto machallah. Oh le biceps. Arrête. Regarde pas mes nudes, enculé. Je dégage ma RA, toi. Donc l'épisode précédent, on a eu le passé, qu'est-ce qui s'est passé avec son père et son équipage. Ouais, fun fact. C'est-à-dire... Fun fact. Voilà, ouais. Est sorti hier ou là avant-hier un scan spécial dédié à toute la vie de son daron. Ouais, non, tu vois, depuis qu'il est sur l'espace jusqu'à qu'est-ce qu'il a fait sur Terre, machin. Il est tout, charismatique, on voulait en savoir. En gros, le premier scan, c'est jusqu'au moment où... ils décident de descendre sur Terre avec le radeau et tout là. Tu vois, quand ils descendent, ils sont retournés. Et on sait pas ce qui s'est passé après, tu vois, même entre moments, les enfants, deux semaines pour faire les différentes générations, etc. Tu vois, ah ben ça sort en scan maintenant chaque semaine ou chaque mois, je sais pas. Putain, stylé. Ouais, le feu. C'est bon ça déjà. Très bonne info. Ouais, c'est à toi. Non, je te donne l'info, je connais tout. L'épisode précédent, donc on a su pourquoi. Enfin, d'où venait le village au final. Oui, venait, je pensais qu'il allait dire d'où venait le fait que les gens soient en pierre. J'allais dire, t'as vu un bail qu'on a pas vu. Et il y avait la théorie d'un type dans les commentaires, il a dit ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, vu qu'ils sont tous prédestinés à avoir la pneumonie ou un bail comme ça, tu vois. Pas quoi. Ah, tu vois tous la pneumonie? C'est un héréditaire la pneumonie. Vu que l'autre elle l'a eu et que les premiers jours. Je sais pas si on raconte des couilles, hein, dites-le nous. Mais... Je sais pas, c'est. Je sais pas, parce qu'il y a le vieux forgeron, gros, on dirait que. Ouais, mais ça arrive pas à tout le monde. Tu vois, mais en général, ça arrive à une personne jeune ou je sais pas, tu vois. Ah, je sais pas, peut-être il y a des. Ou alors peut-être la famille du chef. La régie, vous avez l'info de pneumonie héréditaire ou quoi? Il est en train de se taper, mais ouais. Bon. Vas-y, on va voir. Ah oui, et toi, t'avais dit quoi? C'est pour ça que. En fait, ils se souviennent pas des parents et tout ça. De ses ancêtres, parce que les enfants ils sont les seuls à avoir survécu et du coup les adultes sont tous morts de pneumonie ou de je sais pas quoi. Mais ils ont pas pu donner l'info que... Non mais du coup les enfants ils ont pas dit par rapport à la tombe qui venait d'une autre génération. De l'autre génération.
Ils ont pas pu dire à leurs enfants, ouais, en vrai, ceux qui sont là, ils viennent de l'espace, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas pu donner. Ah, si, en soi, avec le sang, les 100 comptes, tu vois, c'est expliqué. Ah, mais 100 comptes, ils comprenaient pas, je pense. Enfin, ouais, il a utilisé un compte avec des images, genre comme pour les enfants, le tigre qui marche dans la forêt, machin, mais cool, pour que les gens comprennent. Okay. Et à la fin, le dernier, il a mis un message pour son fils. Là. Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. Ah, bah parfait. Génial, excellent. Merci. Donc, c'est peut-être le climat. Ah ouais, on va avoir des infos. Ah, Tsukasa. Ah ouais, c'est vrai que le précédent épisode, ils avaient fait cette gueule. Tsukasa et son armée. Ils aïe, arrivent. Aïe, aïe. Faut poser des mines, frère. C'est qui lui dit ça? C'est le truc, Tsukasa. Regarde son armée, gros. Ils sont énervés. Tu pas gauche, là, avec la tête. Des types balèzes, gros. Des tatouages sur la tête. Et genre là, c'est pas des adultes, hein. 12 ans. Quand j'aurai assez de guerriers. Avec 3 guerriers, vous prenez le village. Lui tout seul. Vraiment. Il tue des tigres. L'empire de la science contre l'empire des guerriers. Ça va créer des grenades. C'est pas le fou, gros. Tant que t'as pas de gun, c'est chaud. Ça va être très très dur. Il faut un gun dans le jeu. Je vois pas. Ouais, sans armes. Regarde lui, là. Lui, il va défendre Tsukasa. Tu vas faire quoi, toi? Regarde. Ah, ils vont manger les premiers. Enfin, imagine, ils arrivent maintenant. Je crois que c'est eux qui... Ah ouais, parce qu'il a dit, ouais, on doit monter la garde. Pardon. Ça commence. À quel dis-tu? Il va ramasser un coup de lance à distance, gros. J'aimerais trop. Trois, il tue comme ça. Je sais pas. Oui. Ouh. Oui. C'est des pirates, gros. C'est des tigres, hein, gros. Ils ronronnent. Tu sais qui on dirait? On dirait les mecs de Majin Buu là, voilà, au tournoi. Quel homme. Au pire, tu vas dans le point, tu coupes le point, non? Bah ouais, tu vas direct. Mais du coup, ils pourront plus sortir pour aller chercher des vivres et tout. Donc lui, solo contre 40 types. Non, dans tous les cas. Lui, solo contre 40. Ah, je crois qu'il est en train de retourner. Je crois qu'il est en train de... Putain, il est très vif. Hein. Oh, charisme celui-là. Il a l'air très très dangereux. Il fait penser à... Je pense Gin dans Bleach. Ouais. Qui? Gin. Ishimaru Gin. Je crois qu'il avait les avec yeux fermés. Tous les yeux fermés. Bah, il est énervé lui. Ouais, mais il était amoureux de Ranjiku, je crois. Mais, non, elle était amoureuse. Mais lui aussi. Mais lui, genre, il s'en battait un peu. S'en battait un peu les couilles. Et elle était trop dans le problème. Non, celle qui était trop dans le problème. Ouais, elle était trop dans le problème. Et en fait, je crois qu'il jouait double agent à la fin avec Aizen et tout. Ouais, non, en fait, lui, il voulait juste sauver. Non, pas double agent. C'est juste qu'à la fin, je crois qu'il a eu une tiltade en mode. Non, vérité. Je voulais juste me battre contre toi, un bail comme ça, non? Ah, ouais, ok. Je sais plus, je me souviens plus trop. Tu casses ça où? Ou lui? Ouais, lui. Elle est arrivée il y a même pas longtemps en plus. Ouais, il fallait le dire plus tôt quand même un peu, non? Oh, j'ai peur. Oh, il a l'air énervé lui. Que c'est un lanceur de javelot, je pense. Oh, il va die. Oh non. Oh. Mais je crois qu'il a fait tourner, t'as vu? Oh, il y a une rotation quand même. Oh, allez, il l'a eu, gros. Il va le faire tomber avec. Tu veux quoi, c'est... Oh, il a l'air énervé. Ouais, il est foutu. Non, il va vouloir se battre. Il va pas le faire. Ouais, non, là, il faut couper, frère. Il veut pas laisser Ginero. Ouais, c'est normal. À son aise, hein. Non, je pense qu'il va tilter mentalement. Il a tilté mentalement, ouais. Tu vois, il avait un breakdown. Il a un traumatisme là. Ouais, un break. Parce que c'est son ref ou quoi? Non, c'est son collègue. Oh, les bâtards. Ouais, il peut pas. Il va vouloir aller le sauver, c'est sûr. Quel homme. Il a raison.
Et ça fait deux fois que je dis la raison. Non, c'est vraiment son. Son collègue. Oh, il va faire un flingue maintenant. Oh! Du C4. Ah ouais, c'est ça, c'est un flingue? Ouais? Je crois que c'est un flingue. Non. Non, poudre. Enfin, un truc explosif, genre. Si, du C4. Feu d'artifice. Il a pas réussi. Il a vite compris, je crois. Vraiment le bâtonnet de C4. Dynamite. Hein? C'est un mortier. Ah, ok, il veut faire. Ah, c'est une diversion pour faire croire qu'il a. Il a un flingue! Non! Ah non! Il veut faire, pour faire croire qu'il a un flingue! Oh là là, c'est vif! Il va dire non, non, non! Ah là! Sortez de ma propriété! Oh le bluff! Ah, le bluff! Elle a abusé en disant millions, gros. Elle a abusé en disant millions. Ouais, elle a pas dosé. Mais elle dit toujours millions, milliards, je crois. Ah, on t'inquiète. Ouais, lui il prend toutes les infos. Mais lui il va se faire démasquer par Tsukasa, il est trop vif Tsukasa, il va se dire c'est pas normal. Tubulaire. La lance tubulaire, mais ça veut dire quoi tubulaire? C'est pas ce que ça veut dire. Tubulaire. Ouais, eux ils sont idiots. C'était le petit nain à droite là. Avec des couettes. À mon avis, Tsukasa il veut pas prendre des gens trop intelligents non plus dans ce monde, tu vois. Parce qu'il a peur que des gens veulent prendre le pouvoir et tout ça, tu vois. Donc il prend des idiots et. Toi, tu vas aller chez Tsukasa, toi. Sans blague. C'est con, je vais loyer le coca. Ah, lui aussi, il est intelligent. Ah. Oh, putain, mieux que les miennes, frère. Vraiment. Genre, elle est amoureuse, l'autre. Dash. Il kiffe. Hein. Mais quoi gros? Regarde l'autre, elle est comme ça. Ah. Elle était comme ça. Vraiment. Oh non. Voilà. Ah maintenant elle a tout le village. Bah oui. Toute la main d'œuvre. Ça va aller vite. C'est une compagnie. Ouais, la compagnie ouais. Ouais, Ishigami Company. Ishigami Company, ouais. Pas mal. Engagez-moi. Ouais, Ishigami Corp. Oh. Corporation. Yeah, Corporation. Elle a l'envie de se battre. Tandis que 3 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire en 3 jours? Est-ce qu'ils vont faire des putains de trucs en 3 jours? Pour pas utiliser leur fusil. Ah, fais attention. Un parapluie. Comme ça, ça touche pas le feu, et du coup, la tempête. Ah, non, mais là, je pense que la tempête. Non, elle a toujours pas fait de flingue. Ah, ah. Non, ça bluffe, ça bluffe. C'est une bluffe, c'était flingue. Des katanas. Des katanas, ils ont fait. Oh, oh. Samurai da. Mais ça fait les. Oh, j'ai eu des frissons, frère. Attends, mais ils sont vachement au courant quand même. Bah, ouais. Ah, ouais, mais parce que c'est que des gens ressuscités. Ah bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est que des gens. Ils sont cons en fait. Oh. C'est pour ça ils ont tous les marqués. Ouais. On va changer de place. Vite fait. Enfin, pas que je skiffe. Pas que je vais se cacher, ça va faire un peu. Ok, bon. Ah, c'est easy. Hein. Ah, même le daron, hein. C'est vraiment la science, hein, t'as écrit. C'est la science. Scientifique. Alors, c'est mais même une arbalète, je trouve que c'est cheat, hein. Il avait fait une arbalète en plus. Ouais, bah c'est plus cher, tu vois. Parce qu'il faut faire. Mais à distance, déjà, tu peux faire les deux, hein. Et il l'a fait très vite en plus. Il faut faire plusieurs à chaque. Il faut faire à chaque fois des flèches, tu vois. Là, ça brille durant longtemps, tu vois.
Ah ouais. Putain, c'est chaud. Putain. Il est trop fort. Il écoute rien, lui, juste il fait. Ouais. Oh, énervé. Il kiffe. Ah, c'est pour ça le noir dans les lames. Ok. Putain, c'est pour mieux encaisser le coup. Ah, la lance c'est cheat hein, quand même. En fait, Flag, il y a un truc que quand il fait comme ça, ouais. Ça fait tourner. Ça part, comme ça, il peut tourner tranquille, tu vois. Ah, lui, il est vraiment dans les deux. Non, tu vois, ouais, il dit des trucs... Il donne de fausses infos, en fait. Enfin, ouais. Des infos qui c'est... C'est pas des vraies infos, vu que... Ah, il est fort. Mais il va se faire rattraper. Ouais. C'est un code. Pour nous dire qu'on peut le vaincre à 3-1, ah, ouais. Vraiment, Magma le tank. Eh, hey, support. Wow. Oh non, ils ont été loin là. C'est pas grave. Là, il va avoir un cul ou un Bob's, c'est sûr. Oh, il s'est passé quoi? Ah, c'est de la merde la qualité. Hein. C'est la qualité en fait, elle pue la merde. Ouais, il va dire Nigelun Ayo. Oh, c'est l'autre, le mentaliste. Il a pas tout. Il a pas touché la lame à un moment? Non. Oh, c'est lui. Il a touché en scred. Avec sa bague, c'est un truc sur sa bague. Quel bâtard. Il sait. Si lui il sait, tu casses ça, il sait encore mieux. Il va dire non, t'es né back. Oh non. En bas les couilles d'être démasqué. Ouf, des shurikens. Il est... Depuis quand il est là, ce dog? Non, on l'a déjà vu une fois. Ça, on avait dit la même chose. Depuis quand il est là? Pfff, ouais, tout moi, juif. Moi j'aurais raté, gros. Ça me resterait la lame, elle est toute propre. Hein. Vitesse. Accélération. Aïe. J'ai eu des frissons là, j'ai eu monté de frissons. Vous allez faire quoi maintenant? Est-ce qu'ils vont courir? Est-ce qu'ils vont s'enfuir? Non, je pense que la tuerie il va arriver. On a raté qu'on arrive. Oh, c'est vite fini hein. Lourd, c'est un putain d'épisode. Bien sûr, Asagiri. C'est un retournement de situation là. Asagiri s'appelle Asagiri. Ah, j'ai oublié le nom. Asagiri. Ah, tu parles de Mentalis. Ouais.
Asagi ou Asagari? Asagiri. Asagari? Asagiri. C'est drôle parce que traître, plus tu le dis, traître en japonais, ça se dit Uragiri. Tu vois? Ah, je pense que c'est un mec comme ça. Ah, t'es vif toi. Hein. Voilà, Uragiri no Requiem. Ouais, comment on peut deviner des jeux en japonais? Ah bah. Culture. Voilà. C'est fou, c'est grave. C'est fou. Non, le feu. Game. Ah, ouais, tu sais que je kiffe de plus en plus ça. Bah, sans blague, gros. Elle a fait beaucoup là, mine de rien. Mais c'est grâce à lui. Ouais, sinon, il serait mort. Putain, sinon, il serait mort. Non, je sais pas. Pff. Si, non, l'autre avec sa lance là, il pouvait pas l'arrêter. Putain, ils ont été trop vifs. Ils ont été trop longs. Là, Senku, ce qu'il est en train de faire, c'est grave. Dis-toi, en deux jours, il a créé des. Moi, ce que je me dis, c'est sabres japonais, tu vois. Et de vraiment des putains de sabres. Moi, ce que je me dis, c'est que. Mais il y avait ça, il a pris beaucoup pris, plus de gens qui travaillaient. Ouais, mais maintenant, il a tout le village à disposition. En tout cas, ça, il a engagé. Enfin, il a engagé. Il a pris le type dans son équipe. Et il en a fait une sorte de commandant, tu vois. Type avec la lance. Ah, ouais. Oh, c'est son. Tu me dis, ça veut dire que le type. Il en a d'autres. Physiquement, je pense qu'il doit être aussi énervé, tu vois. Je pense qu'il est surtout intelligent aussi. Je pense qu'il est vif celui-là, tête. Ouais. Après, comme, à mon avis, il est comme Tsukasa, quoi. Il est fort physiquement, mais moins. Ouais, un peu moins. Mais celui-là, ouais, il a l'air d'en avoir dans le crâne, tu vois. Ouais. Mais si ce type, ça a l'air d'être un type qui c'est capable, il change de camp aussi. Je sais pas, j'ai l'impression. Tu crois? Ouais, c'est une impression. Faut voir ce qu'il veut. Ça a l'air d'être un mec. Faut voir ce qu'il veut. Parce que c'est une cool. On connaît les motivations de Tsukasa, tu vois. Il veut juste des gens forts dans son groupe, pas de vieux et tout. Tsukasa, il veut quoi? Justement, l'autre, il voulait son copain. Tsukasa, il veut prendre que des gens. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut plus de vieux qui dirigent le monde de société, il veut plus d'aides, il veut plus de. Il y a que des jeunes dans ce monde, tu vois. Mais. Il y avait des paniers quand même. Senku, frère, il a tout pour attirer n'importe qui dans ce monde, tu vois. Déjà là, il a choqué les gens, ils disent putain, ils ont des sabres. Il a fait des rabaines, il a fait des antibiotiques, il a fait du coca, il a fait des sabres. Ça se trouve, le mec, des masques anti-gaz. Ils ont tout fait, gros. Il veut manger du chocolat, il va dire je veux du chocolat, viens chez moi, tu vois. Tu peux pas savoir, gros. Moi, je prends du chocolat, je change de camp. S'il n'y en a pas dans le monde. Vraiment. Un petit vrai. Code d'or. Tu sais, Nicky, quel va être le titre de cet épisode? Senku Army versus Tsukasa Army. Le monde de la science contre le monde de Tsukasa. Vendu. Science Army vs Tsukasa Army. Donc quelque chose comme ça. C'est pas moi, c'est lui. Les hommes décident par eux-mêmes. Ouh, en mode resting. Attends, on peut faire le... Ah ouais, pardon. Ouais, ça te dit, ouais. Quand on est comme à la dame, on a ce qui se passe. C'était l'épisode 18 de Dr. Stone. Ok. C'est pas facile à dire, Dr. Stone. Il stresse, mais ça fait longtemps. C'est fort. Vas-y. Bon, les... Mais rien, ce type. Il me découpe presque pour rien. T'es intimidé? Non. Bah, je sais pas, mais c'est bizarre, tu vois. Normalement, on regarde la caméra, on regarde les viewers. Ouais, vas-y. Bon les gars, c'était l'épisode 18 de Dr. Stone. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu. On s'abonne à la chaîne, on suit le Twitter. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao la famille.